Et alors, ce que le. Vous n'êtes pas découragé? Mais du tout, on ne peut pas être découragé parce que nous sommes en train de défendre notre patrie. Nous Vous sommes n'avez là. pas l'argent dans la banque, peut-être en ayant peur qu'on va bloquer vos comptes. Mais comment? En Europe, là que vous nous parlez, d'abord c'est un continent vieux. Qu'est-ce qui se produit là-bas? Ils viennent ici pour diviser notre pays, pour balkaniser notre pays, afin qu'ils puissent s'accaparer de notre terre, s'accaparer de notre richesse. Qu'est-ce qu'il y a en Europe pour que j'y aille et garder mon argent, ma fortune? Je pense, je n'ai rien à garder en Europe, je dois garder tout chez moi. Et je pense qu'on est à Goma. Mais à Goma, il y a des COPEC. Dans ces COPEC, je n'ai pas même déposé même un 100 dollars pour que peut-être ces 100 dollars puissent être fructifiés. Et même dans des tontines là qu'on appelle des kirimba, si on le dit en swahili, des kilimba, je n'en ai pas. Parce que celui qui fait les kilimba, c'est celui qui est payé peut-être mensuellement. Alors comment vais-je aller garder l'argent que je n'ai pas entre mes mains en Europe? Et quand je ne parviens pas à les garder à Goma. Croyez-vous que la force que vous aviez avant d'être sanctionné et le courage, vous l'aurez toujours? Non, là on devient alors plus vaillant qu'avant. On devient plus vaillant qu'avant parce que c'est celui qui nous sanctionne, c'est celui qui nous faisons face à lui. Alors, dire qu'il nous a sanctionné, c'est comme si vous prétendiez que l'ennemi puisse parler de vos éloges. Non. Il ne peut pas parler de vos éloges, il va critiquer négativement de tout ce que vous aurez fait. Et comment vous recevez cette sanction? On n'a pas sanctionné le Rwanda, on a sanctionné uniquement les Congolais. Non, C'est il ne peut pas sanctionner le Rwanda, d'autant plus que vous avez entendu avec moi que dernièrement, ils ont signé des accords de minerais avec le Rwanda qui n'a pas aucun minerai qui l'exploite. Le Rwanda a exporté les minerais, le coltan, en 2025. Quand ils ont sous la houlette d'IRCD. Et dès lors là, ils n'ont rien exporté vers les pays étrangers. Donc, ils ne peuvent pas.